Eh bien, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Sons of the Forest pour l'épisode numéro 7. Dans cet épisode, on va se barrer d'ici parce qu'en fait, j'ai regardé sur la carte interactive et en fait, c'est le bunker final celui-là, donc on va pas aller dedans tout de suite, on va pas finir l'histoire maintenant, c'est pas intéressant sinon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner à l'ancien bunker de l'épisode d'avant parce qu'on n'a pas tout loot, on a loupé des choses. Donc bah voilà, on est reparti pour là-bas. Je vais laisser la tente ici, de toute façon, quand on fera la scène finale, au moins on aura un point de sauvegarde. Et du coup, faut qu'on retourne au bunker d'avant. Et s'il te plaît, la map. Alors, ouais, faut qu'on retourne là-bas. Où il y a mes deux lits. Donc là, c'est le final. Attention, on va mettre un marqueur, ça va être l'occasion de le tester. On va mettre une petite croix dessus, genre. Alors, on m'a dit qu'il fallait que j'utilise un piquet. Tac. On va se mettre. Voilà. Faut le mettre droit. Ok, ça c'est bon. Et ensuite. Hop. Un petit machin. Oh, attends. Ah! Non, remets-toi! Allez, on va mettre un truc qu'il faut pas. Y aller, une croix, voilà, comme ça. Ah non, quoi que c'est peut-être rien du tout. Si c'est une croix. Ah oui, voilà. Si je le range, katana, s'il vous plaît. Je sais pas ce que j'ai mis comme symbole dessus, mais bon, on va dire que c'est bon. On saura que c'est là. Je peux pas le modifier. Oh, attends, si. On recommence, pousse. On débute, hein, excusez-nous, avec le GPS. Ah si, pourtant c'est la croix. Bon, vas-y, hein. On va laisser ça comme ça. On sait qu'il faut pas venir là. Oh! Mais y'a plein de bébés! Attention, Calvin, tu te fais bouffer! Non, Calvin! Non, pas les bébés! Mais qu'est-ce qu'ils sortent d'ici, eux? Bougez-vous de là! Hey, c'est bon, Calvin! Mon petit esclave! C'est bon? Ils t'ont rien fait de mal? Venez là, petit poulet! Dégage! Oust! T'es pas mort? Il y en a qui a bougé là, il fait ce qu'ils font semblant. Ah, mais ils vont me tuer! Arrêtez de gueuler! Et là? Saute! Saute! Il est où? C'est bon? Ok. Même eux ils disent non, on va pas là-dedans! C'est pas tout de suite! Et où mon pote là? Il est en train de mourir dans un buisson. Il est parti en courant. Hein. Quel bon allié celui-là. Salut beau gosse. Non, tu veux pas y aller? Ok, on se casse. Ok. Il bloque le chemin. Pas de souci. Je me fais un petit apéro dans l'eau et on y va. Baston. Tac. Est-ce que j'ai de la peau de leur pote? Non. Yo toi. Allez, viens te battre. Ah, il va partir avec le courant, le cadavre. Oula, attends, j'ai plus mon. Oh, le bâtard. Non, non, je rigole. Oh, il y a des caisses dans l'eau. J'espère qu'il y a du soin. What? Mais reviens là, toi. Allez, vise les jambes. Ah, moi, je suis en mode, je tape partout, hein. Hop, chac. Et t'enlèves pas, toi. Ah, vous êtes pas content, hein, votre copain, hein. Attends, pousse. Il y a le masque doré, apparemment c'est pas mal. Équipé. Ah, tiens, je suis votre chef. Ah, oh, mais il s'en fout complet lui. Ah, je vais crever avec. Ah, avec ces conneries. Switch. Je suis dans la mort. Allez, t'es pas un vrai chef toi. Voilà, voilà, ils attaquent en groupe. Ah! Une meute! Que dis-je? Un troupeau! Hop, dégage toi. Sur une guibole. Tu souffres, hein? Tiens. Oh bah non. Allez. Laissez-moi passer, sinon c'est la guerre. Je peux pas. Non, je peux pas me faire un stuff avec. Allez, go. Oh, il y en a encore un là? Ouais, monte à l'arbre. Il mange chaud pote lui. Coupe trop bien ce sabre. Ah mais c'est pas des caisses de. Ouah, je vole. Incroyable.
Ah mais si, j'ai des cachets, j'avais pas vu. Oh là là. Incroyable. Où est la... Oh, bouge pas. Oh, j'ai plus de pitié maintenant. Je les fume. Oh, il arrive à tanker avec son petit toss là. Côte mon katana. T'es un fou toi. Voilà, dors. Non mais... C'est le prochain. Ouais, approchez, vous me faites pas peur. Reviens là. Ouvrez ici. Ouvrez ici. Ouh, je te cours après, moi. Mange ton pote. Voilà. Taxion. Toi, t'en veux? Allez, hop. Qui, toi aussi? Allez. Ah, c'est bon, on m'avait énervé, hein. On a eu ma vie à chaque fois, là. Oh, un élan. Stylé. Je te tue pas, toi, t'es gentil. Toi aussi, petite écurie, t'es gentil. T'as de la chance que je vise mal. Bon. L'entrée de ce bunker. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. À d'autres. Attends, on va encore taper la cinématique. À chaque fois. Chaque fois, c'est la cinématique, quoi. Incroyable. Bon, on connaît, on peut la passer ou pas? Oh, mais si, je l'ai l'armure dorée, en fait, j'avais déjà sur moi. Ah, super. En fait, je suis venu dans le bunker pour rien. Bon, bah, je vais ressortir. Ah ouais, on va être grave bien avec ça. Ah ouais, par contre, on est grave bien avec ça. Bon, bah, on se casse, hein. On go au prochain bunker. En plus, il n'y a pas d'ennemis, donc c'est simple. Hello, toi. Saute devant moi, t'as pas peur? J'ai l'armure dorée, je suis invincible, ou pas? Enfin, tu souffres? T'as qu'à arrêter de m'embêter. Oh, il y a l'élan. On m'a vu. Et où l'animal? Je chasse. Ouais, tu saignes, t'es censé mourir. Ah. Est-ce que je vous fais peur? On dirait. C'est peut-être ça l'armure en fait, ça empêche qu'il m'attaque, je sais pas trop si quelqu'un le sait. Ah, si je leur taxe des trucs dans le coin, on peut être content. Oui? Petit problème? Non, 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 ça sert à rien. C'est pas contre... À mon avis, c'est peut-être pas pour eux. Oh, il y a un trône là. Je suis votre chef. Ah, il veut pas de mon chef. Dégage. Baston dans le village. Je prends la place du chef. C'était lequel? Laisse-moi aller sur le site, toi. Oh. Ah, alors, fais-moi le malin, hein. T'as vu ce que j'ai fait à votre boss, là? Attends, c'est lui le chef, c'est lui qui a le casque doré. Oh, oh, oh. Il est grand le chef. Vous êtes grand chef. Je me casse chef. Ah, j'ai pas le temps de jeter ma grenade chef. Non. Non, non. Oh, j'ai jeté dans l'eau. C'est fait exprès, c'est pour les effrayer. Ça a marché, hein, ils ont eu peur. Ok. Les gars, là on va passer à de la haute technologie, il y a longtemps qu'on l'a pas fait, notre fameux grenade bombard retardement. Ça, yes. La tan. Allez, on va faire un cadeau au grand chef quand même, ça se fait pas. On arrive là. Allez, un grand chef! Il a dit lui, il a tué mon pote. Une guimauve pour le grand chef. Oh, oh, je l'ai tué. Je l'ai tué quand même. Non, il est pas mort. M'en fous, j'arrive ici, je vous déglingue. Je suis déjà sur place, hein. Je suis sympa, je me livre. Mon couteau. Vite. Ah oui, j'ai plus de sac. Bonjour, hein. Je fais que passer. Parce que là, faut que je fasse gaffe, parce que si je meurs, je meurs complet. Pour faire une bombe artisanale. Je veux ma deuxième chance. En plus, ils sont groupés, là. Il y a moyen. Ah, par contre, ça va être la guerre, là.
Hop, le chef est mort. C'est moi le chef de la tribu. Le chef. T'as pas l'air content que j'ai tué ton pote. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est moi le nouveau chef ici. Mange ton chef. Hop, un rang en moins. On va pas se battre lui. Il y en avait un autre, il est où Tu vas mourir. J'ai le chef. Et le chef, il va dans le feu. Attends, c'est pas le chef lui. Ah non, c'est lui. On peut pas ramasser le chef lui, par contre. T'es pas si fort que ça, votre chef, hein. T'as pas survécu à une grenade. Là-dedans, rien. Vous avez pas des cachets par hasard? Allez, c'est parti. S'il te plaît, c'est parti. D'accord. Ok, y'en a qui sont pas contents, ils veulent pas que j'aille là-dedans. Pas de soucis. Bouge pas, toi. Prochain. Ah, attends, y a un truc. Oh, c'est vrai qu'il y a longtemps qu'on n'a pas eu de petits cadeaux. Ouvre. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, des cachets. Ça, on apprécie. C'est très sympa de ta part. Non, c'est pas le poisson. Non. Il est plus bon. Balance-moi ça. Bah, c'est bon, on a des cachets. Mange, ça ira mieux. Voilà. Oh non, j'ai bugué le truc. C'est quoi ce bazar là? Ils m'ont proposé d'ouvrir, j'ai essayé d'ouvrir et... Ah, il y a de la terre là, enlève la terre. Oh... Ah bah ça y est, elle est ouverte la trappe. C'était bugué. Je fais juste que j'en ai marre le jeu. Nickel. Allez. Oula. Oula, c'est quoi ces bruits? Lumière, s'il vous plaît. Non, pas briquet, j'ai dit lumière. Une vraie lumière, on a un briquet. Une lampe, c'est bon, mais on a la lampe là. C'est inondé. Ok, bon. Je sais même pas ce qu'il faut chercher là-dedans. Ah, une imprimante. Touk touk touk. Ah! Silencieux. Ouais, pistolet silencieux. Ça, on le met direct. Non. Ah. Pousse. Tac. Tac. Ah là, trop bien. On va faire des piou, piou, piou. Démonter. Non, je vais pas le démonter. Oh, bah c'est vraiment silencieux, silencieux, il y a même pas un petit bruit quoi, à part le plouf dans l'eau. Ok, on peut passer la nuit et sauvegarder. Oh, mon nouveau jouet. L'arc à poulie, oh là là. Trop fort, trop fort. On est caché, ok. Ah ouais, mais pas pratique là. Attends, on peut peut-être mettre une... Quelqu'un? J'ai entendu ronfler. Respirez fort. Annule. Est-ce qu'on peut mettre un rail dessus? Est-ce qu'on peut l'équiper? Est-ce qu'on peut le modifier? Non, on peut que l'équiper, ok. Sans tester, mettre un petit rail avec une lampe dessus. Ouais, il va pas nous être très utile dans le bunker, du coup. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va imprimer des flèches. On a un arc maintenant au poulie. Allez, je l'ai chargé. Tac, vas-y. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Oh. Bon, vas-y, on en relance, on va avancer. On viendra aller chercher après. Ah, oh, bah on est déjà à la fin. Ah, mais c'est vraiment un petit machin quoi. Encore une hache? Non. Par contre, il y a plein de perceuses. On peut pas en récupérer une? Ok, bah il y a pas grand chose, c'était l'arc à poulie. Hop, allez, on relance des flèches. On va passer, on va sauvegarder. Ah mince, on est full. Flèches, elles sont tombées à l'eau. Bon, c'est pas grave, on se casse. Bunker suivant. Allez, on est arrivé ici. On est pas loin de la maison. La maison, c'est la
Mince, on la voit pas très bien. C'est la pointe au niveau de l'eau, là, juste en face de mon perso, en fait, tout droit. Là, je sais même pas si on l'a fait, celui-là de Booker. C'est lequel, celui-là? Ah, si, il fallait la carte d'accès, donc. Ouais, c'est ça, oui. Récupérer des flèches. Attends, mais il y a deux types de carreaux, en fait. Hop, on va sauvegarder. Oui. On a ce qu'il faut. Tac, tac, tac. On va récupérer ça. On va aller voir ce qu'il y avait derrière cette fameuse porte. Allez, ouvre-moi la porte. Il y a de la musique déjà. Il fait super noir. On voit rien du tout. C'est une boîte de nuit. Ok. Bon, bah, on va fouiller. Hein. Attends, mais il y a des bruits là, il y a des monstres dedans. Oh, il y a du sang déjà. On va allumer la lumière. Salle de sport de ce qui est plus classique. Ok, il y a des. Ah, attends, on va essayer la croix au mieux là. J'espère que ça marche, hein. Sauf pour la panique. Ouh. Ah, rien à faire de ma croix. Ah, si, il a eu peur. Ouais, mais moi je préfère les tuer, c'est plus rigolo. Ah! Bah! J'utilise la puissance du katana au moins. Alors. Il y a des choses intéressantes ou ça ou pas ici à fouiller. Je peux même pas crever les ballons, c'est nul. Ouais, pas grand chose quoi. Pas grand chose à loot. Ouah, m'a fait peur. Stop. Ah, le katana est vachement mieux que la hache. Hein. Ouah, mais c'est immense. On va essayer par là, hein. On reviendra sur nos pas après. Oh, les petits bébés vont à la piscine. Et hop, dans le pédiluve, les enfants. Oh, calmez-vous. Ok, bah c'est un cul-de-sac. Donc on est obligé de revenir sur nos pas. On va aller voir ce qu'il y a dans l'eau de la piscine. Une fois qu'il y a des trucs importants. Tout sous l'eau. Boot, boot. Oh, les petits bébés. Bon, il n'y a rien d'important. Ok. Allez. Hop. Ah, notre fameux pote. Va voir si tu fais le malin. Il a sauté par-dessus le bar. Allez, coupe lui la guibole. Oh, il a les jambes costauds, lui. Un mollet dur. Là. Ah, mais oui, mais attends, mais je ramasse pas. Ah, mais du coup, je peux plus ramasser. Merci. Comment ça marche, là, avec l'armure dorée? C'est pas vraiment une armure, en fait. C'est peut-être juste un espèce de skin. Oula, ça bug. Non, mon armure dorée. Laisse mon armure dorée qui me sert à rien en fait parce que. Attends. S'ils mettent là-dessus, portée. Ah, ça protège de la pluie, des choses comme ça, d'accord. Ok. Passionnant. Alors, manger un petit peu. Il y a ça, je voulais voir quoi, comment faire. Comment ça sert. C'est pour la bouffe. Combiné. Ah, c'est pour l'ouvrir et manger quoi. Oh. Ah, mais c'est la nourriture pour chat. La fameuse. Manger. Voilà. Je suis un chat maintenant. Je ronronnais. Oui. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est les duos là. Les duos maléfiques. Vous passez pas à deux la porte, hein. Ah. Attends, faut que j'essaye mon silencieux. Par contre, pile, merci. Attendez, pousse. Oh, j'ai tué son pote. C'est si triste. Ah non, ils sont pas morts. Ouais, ils sont morts. Ah ouais, ce petit silencieux aussi. Bonjour, je viens ramasser les cadavres. Tac. Pour être sûr qu'ils soient bien morts. Ah, pyjama, on a un pyjama, on le donnera à notre pote Calvin. Ah, je suis perdu, je sais même plus ce que j'ai fouillé ou pas fouillé. Ah, c'est grand, ça se ressemble partout. Ah, t'étais pas là toi il y a deux secondes, quand j'ai tué les jumeaux là. Ouais, viens, viens te battre, tu me fais plus peur. J'ai pas beaucoup de vie. Tu me fais peur, tu me fais peur. 1, 2, 3.
Allez, Lady Ball. Quoi? Quoi? Je n'ai plus peur de toi. La 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 la. Il n'y a vraiment pas grand chose à loot ici. What? C'est quoi ce passage là? Ah, c'est quoi ça? Oh! Un petit gollum. Vous pouvez pas passer là, hein? J'espère pas. Ils vont où là? Ils se promènent. Amusez-vous bien. À bientôt. Merci d'avoir... passé une tête. Là on peut ouvrir ou pas? Oui, il y a un badge. Alors attends, on va aller voir là avant. Je vois rien du tout. S'il y a un ennemi, c'est pareil. La thune. En fait, c'est quoi? Ah. Je me demandais ce que c'était. Ah ouais, ouais, donnez. Oh bonjour monsieur. Ouh, de la thune. Ouais, il y a de la il y a de la magouille là. Oh bah lui aussi est. Eh. Oh. Oui, on s'en fout de ça. L'autre il fait de la guitare. Il fait de la guitare avec sa bouche. Ça rapporte pas mal apparemment. Pas mal. Il y a du style. Encore, il y a une autre porte là. Attends, pas y aller non plus là tout de suite. Oh, mais c'est immense! Oh, encore masse de thunes! Oh là! Ils veulent qu'on fasse des bombes. Ah, du soin. Oh! Une carte! C'est une carte de... une carte spécifique encore? Ok, cool. Pour un accès privilégié. Encore des petits papiers, que des petits papiers, on s'en fout des petits papiers. Alors, la porte. La porte. J'hésiterais à faire la petite porte là, je sais pas si... Ah! Ah! Pas bon signe ça. On va aller voir l'autre porte, ça s'ouvre. Si elle s'ouvre pas, c'est compliqué. Allez, on croise les doigts, faut que ça s'ouvre. Oui! Oh, bonjour! C'est le couloir où je veux vous aiguiller? Venez vous battre! Ya! Ya! Ils ont pas été très gentils, monsieur, avec vous. Hop! Sur une jambe. Vas-y, saute! Allez, saute! Faut pas aller loin. Oh là, cette promenade de santé avec le katana, en vrai. Peut-être prendre un cachet, parce qu'on en a droppé pas mal. Voilà. Ça ira mieux. Il c'est celle là-bas. Les petits bébés. Attendez que je fouille encore ici. J'entends des bruits, hein. Je sais pas où ils sont. Les murs sont très fins. Ok, il y a petit bébé là. Et l'autre. Oh, il y a le grand machin là. Alors, j'ai tué tes petits bébés? T'es pas content? Tiens! À genoux devant ton maître! C'est moi qui te malmène maintenant! Non mais, donne-moi ta peau! Je te malmène, gamin! Oh, il a emmené ses enfants au cinéma, je suis vraiment un monstre! C'est quoi ça? Oh! Oh! Une tronçonneuse! Ça coupe bien ça? Il est où le monsieur là? Ça fait des belles tranches ou pas? Ouais, ça a pas l'air d'être puissant, ouais. Peut-être pour les arbres, je pense, c'est plus intéressant. Principe du tronceuse en même temps. Pas pour faire pour couper des morceaux de monsieur ou de dame, mais... Attends, de nouvelles instructions, qu'est-ce qu'ils me disent? Ouais, je veux bien qu'il y ait des nouvelles instructions, mais... Attends, la tronçonneuse, elle est où? Dans ce bazar, elle est où, là? Je commence à avoir vraiment trop de saleté. Combiner, équiper. Combiner, qu'est-ce qu'on peut combiner avec? Des piles? Des piles et une tronçonneuse? What? Ah ouais, elle était pas full puissance. Ouais, pas terrible. Une tronçonneuse à piles en même temps, ça a pas de puissance. Première fois que je vois ça, c'est pas mal. Original. Il y a un concept à creuser. Bon, les petits bébés maintenant. Plus de lumière. Ça va couper quand je vais être en train de les tuer.
Oh là là, le massacre, ils ont pas le temps de réagir. Tu veux pas mettre les piles là, s'il te plaît, avant, par contre? Parce que je suis pas rassuré, on voit rien du tout. Ah, oh, j'ai plus garde de piles en plus. J'aurais dû en mettre dans la tronçonneuse. Yo, toi? Et où le deuxième? On m'a touché. C'est une grotte. Il y avait longtemps qu'on n'a pas vu de grotte. Et qui c'était à souffler là? On remonte ou on va là? On va de descendre. Attends, mais non, c'est un... Ok, ça me fait revenir sur mon chemin, donc il faut que je passe par là. Ok. Oula. Les gars de chute. Ah, il est sorti, c'est bon. Ah oui, d'accord, je vois l'armure dorée. Déjà, ça me donne plus de stam. Je viens de capter maintenant. Et la barre de froid, elle est plus petite. Donc ouais, ça nous réchauffe, en fait. Ça nous tient chaud, quoi. C'est cool. C'est bénef. Mais après, je sais pas si... Ils nous vénèrent ou pas, j'en sais rien, les autres, mais... Ils attaquent quand même par moment, donc je sais pas trop. Allez, hop, on rentre là-dedans. Allez, on va le faire, celui-là. Et on gardera l'autre pour la fin. Et je pense qu'après, on pourra attaquer directement la boss, le truc de fin. Hein. Je pense qu'on a tout, je regarderai. S'il manque des items, des trucs comme ça, mais... je pense que ce sera... Là, celui-là, c'est l'avant-dernier épisode. Hein. Je pense que le final, c'est dans le prochain. En vrai. Parce qu'il va pas nous rester grand-chose à faire. Ah, c'est le fameux garde-manger. Go. Bon, je refouille vite fait, histoire d'avoir un peu à graille. Allez, ouvre-moi la porte. Ouh. Y'a quoi là-dedans? Rien. Rien de rien. C'est très joli. Une petite culture, là. Tiens. Hop, plus de culture, ça n'existe plus. Regardez-moi ces petites pousses, là. Toute mignonne. Oh, ça pas coupé. Ça tourne encore. Oh, les bébés. Vous voulez manger des petits légumes? C'est bien. Mangez des petits légumes. C'est important. Allez. Les petits bébés, mangez vos légumes. Il est où? Oh, je me suis fait dessus. Oula, viens là, toi, Pcho. Il y a air. Il y a du sang. Oh, si, il y a un truc, là. Oh, oh, une arbalète. Oh, trop bien, ça. Ah, donc il y a des flèches d'arbalète et des flèches... des carreaux d'arbalète et des flèches normales, quoi. Ok. C'est quoi, ça? Je sais pas ce que j'ai mangé. J'espère que c'était bon. Ah. Attends. Oh, oh, j'ai touché. Non, cherche pas, il fait noir après. T'es pas content, hein. Ouf. Oh, il tient, hein. Recharge, s'il te plaît. Ah, c'est un petit moulinet, j'avais pas vu. C'est tellement mignon. Ouf. Et recharge. Fais le petit moulet. Je l'entends, hein. Il est où? Ah, j'ai loupé. Un petit coup de moulinet. Bon, le katana va quand même plus vite, hein. Mais au moins, c'est cool, on aura essayé les armes. Il est malade, il m'a fait peur. 50 carreaux qu'il lui a fallu à lui. Ouais, ça aurait été dommage de passer à côté des armes. Oh non. Il y a de l'eau. Ah, le sol est glissant, faites gaffe. Hein. Ce sera dommage de glisser quand il y a de la flotte. Elle est pas assez profonde pour que je puisse sortir l'équipement de plongée. Ah, ça me gêne pas la flotte là, parce qu'on voit, le fond déjà et puis c'est assez éclairé. Là, ça commence à être moins éclairé donc ça va être un peu moins cool. Mais ça va en vrai. Ah, si, on m'a dit aussi, bah là je pense que c'est un peu tard, mais d'utiliser la tenue de plongée. Portée, c'est des recycleurs d'art ça. On va mettre les palmes. Ouais, ça m'enlève mon armure. Ah, par contre, on avance vachement plus vite dans l'eau. Oula, c'est quoi ça? Un escalier? Ok, c'est une sortie. Mais attends, mais je peux utiliser mon arme avec les palmes? Ok. Donc en fait, j'aurais pu me faire buter. Moi, je pensais qu'il n'y avait pas de danger dans l'eau parce que on pouvait pas avoir d'armes. Mais en fait, il fallait mettre les bottes de plongée. Super. Donc potentiellement, il peut avoir du monde et ça me fait un peu peur. Ok.
J'espère qu'il y a un truc important là, parce que si on me fait venir ici. Ah là 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 là. What? Il y avait des gens. J'espère que c'est des trucs du passé. Hein. Ah oui, c'est bon, c'est une vidéo. Ah oui, c'était tranquille, blablabla. Oh, salut, comment ça va? Et d'un coup, blablabla. Je me sens pas bien. Le cocktail est pas bon. D'accord, ils en perdent leurs habits carrément. Oh, c'est violent. Hein. Une carte. Oh, c'est la meuf. C'est Virginie, l'autre à trois bras là. Faudrait qu'on lui rende la carte. Si on la recroise. Parce qu'elle veut toujours pas être notre pote. Bonjour, j'ai la carte. Toutout. Ah! Il y a un gros truc au milieu de la pièce là, ça me fait un peu peur. Oh, une robe. On va pouvoir la donner à Calvin. Moi, j'aime bien tout lui donner, je suis sympa. Je veux qu'il se sente bien. J'ai un peu peur. Ah non, c'est quoi? Attends, c'est une... Ah si, c'est une salle en bas. Je regarde s'ils sont bien morts. Par contre, là, oui, il y avait une belle bête, là. Ah, c'est l'autre. Oh, mais il est immense, celui-là, eh. Le repas était pas si bon que ça. Peut-être pas ramasser ce qu'ils ont mangé. Vous êtes sûr que je dois descendre là? Oh, purée. Oh, purée. Alors là, maintenant que je sais qu'il faut qu'on peut se battre dans l'eau, s'il faut mettre la tenue de plongée... Je suis pas bien, là. Là, je suis pas bien. Je peux m'attendre à tout et à n'importe quoi. Il y a un truc qui est passé, là, obligé. Il y a un truc qui était dans l'eau. On va pas se mentir. Ah, sa mère. Attends, mais je peux pas me battre, là. Donc, il peut rien avoir. La la la... Je sais pas où on va, mais y a pas d'eau. Je vole tel un astronaute. Je déteste. Ah si, une sortie. Oui, une grotte. Avec plein de monde si vous voulez. Avec 200... Ah, attendez, j'ai pas mon katana. C'est bon, il est là. Par contre, tu m'attaques, mais je mets mes piles après. Oh, j'arrête pas là. Je spam clic. Tac. Et dégage. Oh, je ramasse plus les pots, j'en ai trop. Oh, moi je suis James Bond. Pam, 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 pam. Attends, le petit bébé là, il va arriver. Recharge, qu'est-ce qu'il s'est fait? Mon arme. Oh, mon armure. Attends, oui, j'ai pas d'armure. Attends, on va mettre l'armure de leur cadavre là. Putain, je suis invincible. Venez. Viens, allez, viens, allez. Oh, mixeur, hein. J'arrête pas, hein, je spam. Ah, attends, il y a un petit machin qui arrive là. Ah oui, bah attends, je suis en train de ramasser de la peau. T'es pas censé m'attaquer. Je sais même pas où il est passé. Là. Ah là là, ça a manqué ce jeu, parce qu'il est vraiment bien, franchement, bonne expérience de jeu. Je kiffe. Voilà. Je sais plus où je suis. Sauf les parties aquatiques, mais ça va, en vrai, ils ont pas mis de monstre dedans, à part la grotte avec le requin l'autre fois, mais sinon, on s'en sort bien. Qu'est-ce que c'est que ça? On barre pas le chemin, moi. Ok, bon bah tant pis, barre-moi le chemin. C'est la sortie, ça y est? Déjà fini? Prends l'objet, suis-moi, ramène. Fait. Ah, il a plus de barre chaude. On est dans le noir et j'entends du monde autour. On est bien, on est rassuré, oui, tout va bien. Ah, mais j'ai plus de bâche! Ah! Ah! C'est pour ça qu'il veut pas la faire! Calvin, il faut que tu passes la nuit. Il faut que tu fasses quelque chose. Oh, il y a quelque chose qui arrive en plus. Lâche-moi! Qu'est-ce que c'est? Des squelettes! On se fait attaquer par des squelettes! Calvin! Oh, mais. Il tombe de fou, lui! Qu'est-ce que c'est que ce monstre? Mais qui c'est? Ah, mais pas la nuit! Pas la nuit, les gars! Cartez-vous, Calvin! T'es où, gamin? Je te sauverai! J'ai masse d'armure! Adieu! Calvin! Il est parti en courant, c'est bien. Fui, la fuite, c'est bien des fois. Ils me voient pas, eux. Ah, vous me cherchez? Tiens. Les petites guibolles. Ah, ils m'ont pété mon shield. Heureusement que j'avais le... Ah! Mais quel malade! Tu vois, c'est bon, la jambe d'humain? Quel goût, ça?
Ça regène pas, c'est nul. Oh, y en a dans les buissons, j'entends. Promenade de nuit, bonsoir. Oh, mais saleté. Moi, oh, je mixe tout, hein. Viens là, toi. Ah, c'est ça, barre-toi. Je me suis perdu, je sais pas où je suis. GPS, s'il vous plaît. Là, dans ce sens-là. Je sais pas où je vais. Ok, vite. Alors déjà, on va même pas sauvegarder, on va passer la nuit. Là, et là, on sauvegarde. Ah si, c'est celui-là, on a eu le truc de pompier. Du coup, bah en fait, je pense qu'on a fini toutes les armes et tout. Ouais, bah je pense qu'on a tout, en vrai. Il nous reste l'autre là-bas au-dessus, plus celui-là. Soit qu'on a marqué interdit. Donc je pense que ouais, c'est l'avant-dernier, hein, franchement. Attends, toi. Viens là, touche pas à ma tour de temps. Là. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, des bébés géants. Ils sont un peu plus gros. Ah non, c'est des bébés petits, mais je les faisais gros. Une colonie. Ils arrivent. Allez, viens. Oui. C'est bien, allez. Oh, allez, hop. On prend le temps d'attendre qu'ils me sautent dessus. Ils m'encerclent. Ah. Tombe dans le trou, toi. Allez, tu te chips, tu voles. Waouh, 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 ils me font trop de dégâts, là. Faut que j'arrête de faire le fifou. Il a encore envie d'être dedans. Il y a l'autre, là, sur le rebord. Entraîne au shoot bébé. Ah, j'ai plus de balles. Ah, attends, j'ai l'arbalète. Ah, puis la tronçonneuse, faut qu'on l'essaye vite fait sur un arbre aussi, après. Ah, bah, c'est l'arc à vous plus, sûr. Ok, j'ai du mal. Oh, je l'ai eu. Ah non. Il m'a prank. Là, je l'ai eu. 10 flèches pour l'avoir, mais c'est bon. Ça valait le coup. Il arrive, il arrive. Ouf. Oh, je m'entraîne bien. Des bonnes cibles, ça. Oh, mais il est malade, il m'a fait peur, l'autre. T'es où? Va te tronçonner. Ça va? Ah ouais, attends, faut que j'enlève ça. Oh, c'est pas mal, c'est propre. C'est ça qu'il m'aurait fallu pour faire la base. Quand t'es tellement plus rapide. Oh, c'est tellement bien la sensation en plus. Tu connais pas la sensation de couper des morceaux, toi, tiens. Allez, un dernier pour le fun. Ah, on peut faire des dessins. Oh là là. Attention. Ah ouais, c'est un gang temps de ouf, ça, en vrai. Tiens, Kevin, bouge pas. J'ai un truc à te donner. Cadeau pour toi. Prends l'objet. Alors, tu veux quoi? Un pyjama, veste en cuir, veste tactique, smoking, tu seras un beau gosse. Pyjama peut-être? Oh, il est mignon. Je sais pas trop. Comment? Oh, ce beau gosse. Non, tu restes en pyjama. Ou smoking, j'hésite. Non, smoking, non, ça, tu vas le salir. Oh, t'es tout beau. Du coup, nous on va pouvoir se quitter ici, j'espère que l'épisode vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode, et en attendant, amusez-vous bien les pingouins, salut !